J'étais à Zienoula et je venais à Abidjan. Arrivé à Zata, il y a un policier qui a commencé à causer avec nous parce qu'il était au bord de la route. Il a dit, mais vous êtes des femmes, des braves femmes. Hein? Et les femmes gourous, c'est le vivrier. Et on a commencé à rire. Il m'a dit, mais est-ce que vous connaissez la dame qui s'occupe des produits vivriers là, hein, des femmes qui vont au champ? J'ai dit, quelle femme? Il dit non, qu'on dit Ava, que moi-même j'ai été son garde-corps. Elle s'appelle Ava. J'ai dit, en bon, je ne connais pas son numéro et je ne sais pas où il faut trouver la dame. Vous avez son contact? Il dit oui. Comme ça, il m'a donné le numéro, il dit voilà son numéro. Si tu vas à Abidjan, il faut appeler. Elle va vous aider. J'ai dit, hein? Donc elle va nous aider. Elle dit oui. J'ai dit, elle va vous aider. C'est une femme. Elle aide beaucoup les producteurs, les productrices. Souvent, les paysannes, quand on dit paysanne, souvent, elle va au champ même à elle, les femmes même, pour vérifier leur champ et tout ça. Tu n'as jamais vu ça? J'ai dit, j'ai vu à la télé. Je dis, mais c'est la femme là. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire ici, hein. Elle est aux États-Unis. J'ai dit, hein? Ah, donc, ça tombe bien. Arrivé à Abidjan net le lendemain, en même temps, j'ai appelé. Et puis, elle a répondu. Sa secrétaire m'a dit, oui, que c'est son numéro. J'ai dit, hein? Que je vais rencontrer ma fille là. Il faut me montrer où elle se trouve. Et là, elle m'a dit, bon, d'accord, je vais dire ça à la présidente. Comme ça, je l'ai appelée, elle m'a répondu. Donc, je suis vraiment contente de rencontrer aujourd'hui Ava. Je sais que tout ce que je cherchais dans le vivrier, là, l'argent est bon.
Mais l'homme est plus bon que l'argent. Si ce n'est pas elle là, où elle va nous envoyer là, est-ce que nous on connaît là-bas? On ne connaît pas. On n'a pas les moyens. Donc vraiment, j'ai dit merci à Ava. Je suis très heureuse d'avoir reçu maman, présidente de fédération. Nous là, elle a plusieurs bases ici en Côte d'Ivoire. Et après 17 ans au service de l'agriculture, que je ne puisse pas la connaître, je suis un peu triste, mais en même temps heureuse parce que je sais que les lendemains seront meilleurs. Aujourd'hui, on vient de prendre contact. On va commencer à travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, les choses vont bien se passer. On va les orienter, on va les accompagner. Je vous aime beaucoup. Nous, on est ensemble pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.